Hop hop hop, petit disclaimer. Salut à tous, c'est Sinex31, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce vlog où je vais vous amener à la découverte de la réouverture du lycée, quelque chose quand même d'incroyable. Bon, je fais ça parce que je veux gagner de l'argent et faire des vues, mais voilà. Donc aujourd'hui, je fais juste cette petite intro, avant d'avoir repris le lycée, juste pour m'excuser. Je m'excuse pour la qualité qui doit être horrible, autant la qualité visuelle qu'auditive. Je m'en excuse, mais je filme avec mon téléphone, hein, c'est un Huawei P10 Lite, donc bon, c'est pas exceptionnel, mais ça peut faire l'affaire. Le but de ce vlog, attention, je préviens, n'est pas de critiquer le lycée sur leur façon d'être organisé ou la façon dont ils accueillent. Le but n'est pas de faire une critique, mais juste de montrer comment se passe dans cette période assez compliquée, la réouverture des lycées, en fait, tout simplement. Donc, bien sûr, voilà, il n'y aura pas de critique ou quoi que ce soit, hein, ça sert à rien. Le lycée, si vous regardez ma vidéo, ne m'attaquez pas en justice, s'il vous plaît. Voilà, hein, je ne suis pas là pour foutre la merde ou quoi que ce soit. Voilà, donc tout simplement, je voulais surtout vous faire cette petite introduction pour m'excuser de la qualité audio, visuelle, que vous voulez, la qualité en général qui est pas exceptionnelle. Bon voilà, hein, malheureusement je n'ai pas de caméra gros budget sous la main, donc ça va être compliqué de vous faire des vidéos en 4K. Bon, hein, vous avez normalement de la 720p, c'est déjà pas mal. J'espère que le vlog vous plaira malgré tout. C'est mon premier vlog, donc vous attendez pas non plus un vlog exceptionnel, des choses de malades qui vont se passer. En même temps, je vous amène dans un lycée en période de déconfinement. Ce sera pas beaucoup, ça va être un peu... Je sais pas du tout comment ça va être, en fait, hein. Quand je vous dis que je tourne cette intro avant, bon. Voilà, donc le but c'est vraiment de découvrir un peu le lycée post-confinement, on va dire, voilà, c'est le mot. Et j'espère quand même que cette vidéo vous plaira. Donc si elle vous plaît, n'oubliez pas à la fin de lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, forcément. De vous abonner si vous aimez ça, si vous aimez ce genre de vidéo même, parce que je pourrais en faire plusieurs. Et je vous promets qu'à l'avenir, ça sera une qualité meilleure. Moi je vous fais de gros bisous, salut. Bonjour à tous, je parle pas trop fort parce que il est 6h30 et toute ma famille dort. Je suis fatigué, sa mère. Là, j'ai envie de dormir. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Ok, je suis parti de chez moi. Bon, je crois que je vais mettre le plus beau sort du monde parce que j'ai mis une petite couille, un petit short, une petite casquette. Et le temps, il pleut, quoi. Ouais, pardon. Mais il pleut. Donc, une bonne journée qui s'annonce. Comme on les aime. Du pire, c'est que je sais même pas si je vais avoir un bus. C'est à dire que là je vais l'arrêt de bus. Normalement je suis censé avoir un bus, mais ça se trouve j'aurai pas de bus. Et là j'aurai l'air con. Et je serai dans la merde surtout. C'est surtout ça. Je suis en train de taper une barre parce que vous voyez pas, merde, il y a le câble, il se balance dans tous les sens. Du coup c'est drôle, voilà. C'est tout pour moi. Longtemps je m'étais pas posé ici pour attendre le bus, là. C'est bizarre, ouais, ça fait 3 mois quoi. Oui, j'ai un peu la même sensation qu'à une rentrée des classes après le mois d'août.
t'es là, t'es un peu excité, t'es un mélange de tout, alors que bon, au final, c'est la même année, quoi, donc c'est ça qui est encore plus bizarre. Ça va être très très bizarre de retrouver un peu tout ça, surtout que c'est une fois par semaine, donc ça va être très ça va être bizarre. Hein. Ok, le bus arrive, il m'a pas oublié, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Coco. Non, mon cours d'anglais, les gars, c'est chaud. Ah, s'il n'y a pas la prof. Là, t'as mieux. Déjà, ça fait plaisir. Is this given in classes? Oh, I just had economic classes and Euro class. Ah, Euro class? Yes, Euro. Okay, not my class. No, no. Because I think you're in class anyway. Bon, on vient de sortir du cours, enfin, moi je viens de sortir du cours d'anglais, c'était, comment dire, c'était désastreux, parce que tu vois, quand ça fait 3 mois que t'as pas parlé anglais, et que là tu te retrouves avec une prof qui te demande comment s'est passé ton confinement, c'est plutôt compliqué. Qu'as-tu pensé de ton cours? C'était bien, c'était un peu dur le réveil ce matin, là, c'est bien un peu de revoir les profs, les élèves, et... Franchement, c'était nul à chier, genre, c'était nul. Les gars, là on sort du coup du cours, enfin moi je sors du cours de maths et bon, comment vous expliquer, en fait c'est un peu pareil que l'anglais, quand ça fait 3 mois que tu pratiques pas quelque chose, tu te casses la gueule, voilà, je le dis clairement. Donc en fait c'est simple, hein, la prof elle nous a dit bah écoutez, on va mettre un sujet 2-3C, donc, si vous savez pas, les 2-3C ce sont les examens qu'on passe à la fin de l'année, et bah écoutez, comment vous dire, c'était compliqué. Voilà, donc écoutez, on était un peu plus à ce cours. On était une dizaine, je crois. Et voilà, bon après, là on va aller bouffer tranquillement. Je vous filme aussi comment ça se passe le sel. Déjà, moi ce que je dois dire, c'est qu'on va faire déjà un premier compte rendu de cette matinée. C'est que l'organisation, bon, elle est pas exceptionnelle, hein, forcément. Il y a certaines personnes qui se retrouvent dans d'autres groupes alors que de base ils étaient dans d'autres groupes. Donc c'est un peu compliqué, mais après sinon voilà, dès que vous arrivez, vous êtes accueillis, on vous propose des masques, du gel hydroalcoolique. Ça c'est un très bon point franchement, et je dois dire que je suis plutôt satisfait de cette organisation en général. Voilà, donc là on va se retrouver avec mon ami Frimon Goupil. On va se retrouver, on va aller bouffer. Bon, on vient de sortir du self, donc je suis désolé, je vous ai pas filmé le self. Bon déjà à l'entrée ils nous mettent du gel, ce qui est normal j'ai envie de te dire. Mais du coup en fait on a déjà des plateaux qui sont pré-préparés. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais ils nous mettent déjà le verre, le pain, la serviette, les couverts. Et en fait on a juste à aller chercher l'assiette, hein, et après on est tous bien sûr espacés d'un mètre de distance à table pour respecter les distances de sécurité, ce qui est tout à fait normal. Donc je dois dire que sur ce point là, ils sont plutôt bien démerdés le lycée. Et voilà, bon là, vous attendez la sonnerie, parce qu'il est 13h. On va attendre que ça passe. Et donc là, je peux vous montrer, mais vous voyez, il n'y a personne. Hein. On est vraiment que deux dans le hall. Là, c'est le hall principal où d'habitude ça grouille de monde, hein, donc je vous dis. Donc c'est assez spécial, hein, comme ambiance, on est vraiment... un peu post-apocalyptique, j'ai envie de vous dire. Mon masque se barre.
Mais bon, voilà, malheureusement, il faut vivre comme ça et ça, ça ira mieux dans quelques temps, on espère. Hein. Voilà. Bon, du coup, je vous reprends dès que s'il y a quelque chose d'intéressant ou dès que je vous montre un truc, casse-toi. Vous savez ce qui est la meilleure activité après jouer à la console? C'est faire un Uno. C'est trop bien. Là, vous voyez, on a du temps à perdre. Bah écoutez, on va se faire un petit Uno. Je pense que je vais l'éclater sa mère, il va rien comprendre. Et voilà. Je montrerai le résultat à la fin. Mais au vrai, je l'aurai éclaté. Nique ta mère. Bon, la journée est terminée. Je vous reprends tout à l'heure dès que je suis sur le chemin du retour. Là, oui, je suis devant mon lycée. Dès que je suis sur le chemin du retour, je vous reprends. Et je vous fais un petit compte-rendu de la journée. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pardon, si vous voulez un épisode 2. Voilà, pourquoi pas, parce que moi ça m'a fait plaisir de faire cet épisode. Fin de journée, fin de vlog. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu malgré tout. Un petit bilan de cette journée, c'est que bah, franchement, c'était plutôt agréable de retrouver certains amis. Ce premier vlog sur ma chaîne, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre des pouces bleus, à vous abonner. Moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Allez, salut!